Je ressens que je suis arrivé parce que, sans vouloir me jeter des fleurs, parce que j'ai du talent au niveau de la conduite. Je sais analyser une voiture, je sais la définir, etc. Et je crois que justement toute cette base de mécanicien, d'avoir trempé là-dedans, comme on dit dans le jargon, m'a amené beaucoup. Et puis après, je suis monté parce que j'ai fait une école de pilotage, j'ai fait des formules Renault, des formules de promotion. Et c'est chaque fois la victoire dans un championnat qui m'a permis d'accéder au championnat supplémentaire. Bien entendu, avec mes sponsors, tout seul, on ne peut rien faire dans le sport mécanique. Mais je crois que, hormis mes parents et quelques personnes dans le milieu du sport automobile, je ne dois rien à personne parce que je dormais dans ma voiture ou dans une caravane ou dans le camion, je conduisais le camion de course. Alors là, je mets une parenthèse tout de suite, ce n'est pas du pain noir, c'est du pain blanc. C'est ce que j'aimais, c'est ce que je voulais. Et je crois que tout ça m'a permis au début, justement, avec peu de moyens, de mettre un peu d'argent de côté pour le reporter sur la voiture. Et puis un jour, je suis arrivé par la grande porte en Formule 1. Quand Surtees m'a donné un ultimatum en me disant « René, maintenant je veux que tu conduises pour moi en 79, qu'est-ce que tu décides ?» Je lui ai dit « Non, je n'ai pas la réponse de Renault. Tant que je n'ai pas cette réponse-là, je te donne pas de décision. Donc, puisqu'il faut que j'en donne une, c'est non, choisis un autre pilote. » Alors là, j'ai eu 15 jours, c'était le quitte ou double. Mais je crois que dans la vie, de temps en temps, il faut savoir un peu jouer à quitte ou double. Hein. C'était un peu le casino. Et puis, je me rappelle très bien, j'étais à Manicourt, dans ma petite maison. Et puis Gérard Larousse m'a appelé, il m'a dit « t'es bien assis ?» J'ai dit « bah oui ». Il me dit « bah t'es avec nous l'année prochaine ». Donc là, c'est vrai que c'est… J'ai fait 149 départs en F1. Le dernier, c'était Adélaïde. Et c'était la même émotion que le premier. Donc il n'y a pas d'accoutumance. Oui, il y a ce fameux duel où ça a été bim-bam-boum, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pris dans ce duel, j'arrive à le remémoriser, à le voir tellement il était fort. Parce que c'est vrai que de s'encastrer les roues en F1, c'est hyper dangereux. C'est vrai qu'on l'a fait, on s'est touché 6 ou 7 fois. Ça a quand même commencé à 6 tours avant la fin. Ce duel pouvait se passer qu'entre Gilles et moi. Parce que justement, on se connaissait bien, on savait jusqu'où on pouvait aller. C'est vrai qu'il y avait peut-être une part de danger, mais à ce moment-là, la part de danger, quand on est en F1, on la met derrière et puis elle n'existe pas. On est allé le voir en salle de presse sur un écran de semi-géant. Et moi, j'étais figé devant l'écran et tout, parce qu'il y a vraiment des moments où on se touche et on reparle un à droite et un à gauche. Et puis, il y avait Mauro Forghieri qui était là, bien entendu, qui était chez le directeur sportif de Ferrari. Et quand, bien entendu, l'image, tout devient blanc et tout, c'est la fin du Grand Prix, il lève les bras au ciel en disant « quand je pense que ça, c'est pour la deuxième place ». Nardi et son Barjo, ils ne jouaient même pas la première. C'est vrai que c'est des moments rigolos, anecdotes, et qui sont forts, quoi, qui restent.